Hey, une très courte vidéo ce soir afin de parler ensemble de la MAJ qui a eu lieu le 24 septembre, également de la Bungie Weekly Update. Donc le dernier patch qui est sorti, le patch 2.0.0.4, qui va servir tout simplement à corriger quelques bugs, notamment les coffres dorés qui étaient buggés pour certains, ou les emblèmes de l'année 1 qui ne s'étaient pas débloqués pour d'autres, ou encore des quêtes qui n'apparaissaient pas alors que les joueurs avaient le niveau, ou des écus légendaires qui ne tombaient pas. Bref, vous l'aurez compris, la correction de quelques bugs était au programme. Côté changement, le 3 de denier procure maintenant une chance moins importante de looter de l'exotique lorsqu'on tue rapidement les boss ultra. Donc c'est le patch du fameux farm exotique que l'on pouvait réaliser en quittant la mission avant la fin de cette dernière. Certains coffres du cuirassé se trouvent désormais dans un endroit où il n'est plus possible de le looter plusieurs fois, donc une seule fois par apparition. Il faudra donc revenir en orbite et relancer la partie pour pouvoir relooter ce même coffre. Dorénavant, démanteler un exotique procurera moins de chances de looter deux éclats exotiques d'un seul coup. Donc voilà en gros les changements majeurs de cette dernière Bungie Weekly Update et du dernier patch. Côté stats, on apprend quelques informations, notamment les noms des 10 premières teams qui ont réalisé ce raid. Ensuite, on a les informations concernant le nombre de gardiens qui ont tenté le raid La Chute du Roi. Il faut savoir que le premier jour, nous n'étions pas moins de 777 000 à tenter de faire tomber ce roi, mais seulement 37 000 ont réussi. Depuis lors, près d'un million de tentatives ont été lancées avec un grand total de 88 000 gardiens qui s'en sortent vainqueurs. Voilà, c'est tout pour les infos dans les grandes lignes. Une Bungie Weekly Update très courte avec seulement quelques chiffres, quelques corrections de bugs notamment. Je pense que le plus gros reste à venir avec notamment le patch du fuseau noir. On reste en attente d'autres informations qu'on n'hésitera pas à vous communiquer en temps voulu. N'hésitez pas, comme toujours, un petit like, un petit commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde !